Et bien bonjour tout le monde, Madargeux, et bienvenue pour une nouvelle vidéo donc sur la refonte d'une Solus donc de Indiana Jones et le Sceptre des Rois que j'avais fait à l'époque sur PS2 du coup. Donc voilà, j'ai jugé qu'il avait besoin d'être fait du coup dans son intégralité pour la simple et unique raison que voilà, ça serait bon. Donc, dans la logique de la version PS2 était moins complète. Donc voilà, donc là on est sur la version Wii, c'est la version la plus complète. Donc, Cloud Solus soit sur PS2, donc cette Solus sera valable aussi pour la version PS2, je précise. Voilà, la version Wii et la version PS2 ont quelques différences. Puisque la version Wii est plus complète en termes de contenu. Donc voilà. Donc déjà d'une, dans la version PS2, et la différence entre la version PS2 et la version Wii, c'est que la version Wii possède un mode coopératif que j'ai déjà filmé avec mon meilleur ami. Du coup, donc voilà, vous trouverez la vidéo très facilement dans les bonus, n'importe quoi, sur la playlist du jeu, sur ma chaîne. Du coup, donc voilà. Donc en une seule vidéo hein, d'une heure totale, donc c'est sympa. Du coup, dans les bonus, vous avez un rajout de mode multi. Donc là, comme c'est une nouvelle partie, version PS2, vous avez galerie de concept artistique, les habillages et les crédits, mais vous n'avez pas les modes de jeu supplémentaires. Ça, c'est une spécificité de la version Wii. Du coup, où vous avez deux modes pour jouer à plusieurs. Donc un jeu de combat en multijoueur. Je vous montrerai comment c'est. Un mode arène aussi, donc ça se débloque de manière assez spécifique, je vous expliquerai, et le rajout d'un nouveau mode solo qui est en fait la réadaptation, qui est le portage d'un ancien jeu Indiana Jones sorti à l'époque, dans les années 90. C'était un point and click qui est le mystère de l'Atlantide, donc Fate of the Atlantis. Du coup, qui est un jeu majeur dans la franchise Indiana Jones, qui est très réputé, qui est très important dans le domaine du jeu vidéo. Donc ils l'ont refait pour ajouter du contenu en plus, et pour pouvoir aussi le rejouer, mais sur une console plus récente, même si là maintenant la Wii est datée. Mais ça reste quand même sympa. Donc je ferai le mystère de l'Atlantide dans une playlist à part, en faisant une Solus complète aussi. Du coup, donc voilà. Alors, pour pouvoir débloquer tout ce qui est du contenu en plus, tout ce qui est le mystère de l'Atlantide et les modes multi, alors je vous montre. C'est une chose qu'on n'a pas dans la version PS2, c'est les gloires. Donc, c'est une forme de défi qu'il faut faire tout au long du mode de la campagne solo. Donc, sur la version PS2, vous avez ces 4 premiers. Mais vous n'avez pas les gloires. Ça, c'est spécifique à la Wii, puisque ça, c'est relié justement pour débloquer tout ce qui est mystère de l'Atlantide et les modes multi. Donc voilà. Donc ça consiste en fait, tout au long du jeu du solo, comme j'ai dit, à faire des défis qui vous sont demandés obligatoirement. Donc voilà. Vous devez, pour tous ces débloqués, ils vous demandent au moins d'en réaliser 3 maximum. Du coup, pour débloquer les modes solo. Après, néanmoins, si vous faites les autres défis, ça vous permettra de débloquer de nouvelles arènes, de nouveaux ajouts, ce genre de choses. Donc voilà, c'est quand même pas inintéressant. Donc voilà pourquoi je voulais refaire ce jeu-là, pour que ça soit plus complet et en même temps plus intéressant pour ceux qui ont encore le jeu Indiana Jones, c'est le Sceptre des Rois, aussi bien sur PS2 que sur Wii. Du coup, parce qu'en fait, la version PS2 n'était intéressante. Est intéressante pour les deux, mais seulement pour récupérer les artefacts, donc les fortunes si vous préférez. Je vous montre. Hop. Voilà. Fortune, voilà. Donc c'est récupérer les fortunes, c'est intéressant pour les deux consoles, donc les deux versions. Sauf que du coup pour la version Wii, il n'y a pas les gloires. Il n'y avait pas la Solus pour réaliser les gloires. Du coup. Donc je vous dis, je referai la Solus. Cette fois-ci, ce sera 100%, vraiment très complet. Pour les deux versions, pour que ça intéresse vraiment tout le monde. Donc voilà. Je vois pourquoi Istanbul clignote, mais donc voilà. Donc évidemment,
Les notes, je sais pas si je devrais vous les lire. Non, ce sera pas intéressant, je pense. Ces personnages, peut-être. Ouais. Du coup. Donc voilà. Donc, le tutoriel hein, qui vous explique. Mais bon, l'introduction du jeu est un tutoriel en soi, donc y a pas, c'est pas compliqué. Donc voilà. Bref, le jeu se déroule entre le merde, entre le ouais entre le 1 et le entre le 2 non oui entre je sais plus enfin il se trouve entre deux films enfin il y a une canonicité dans les jeux vidéo aussi les jeux Indiana Jones sont censés être canoniques du coup ils peuvent être puisque c'est LucasArts qui les développait principalement et ou qui accordait le droit de développement pour que ça soit canonique voilà donc du coup il y a plein d'autres jeux Indiana Jones qui ont été plus ou moins marchés du coup enfin bref donc on va pouvoir se lancer donc voilà du coup donc là en fait donc c'est les chapitres principaux donc les chapitres dont j'ai réuni toutes les parties en une vidéo du coup donc par exemple là sera la vidéo dédiée au Soudan du coup donc voilà donc on a trois artefacts à récupérer donc les fortunes si vous préférez du coup et puis je ferai aussi parallèlement en même moment les défis qui en a que deux en tout cas à faire au Soudan donc voilà j'ai un peu de mal à parler excusez-moi j'aurais dû prendre un verre d'eau avant. Ah bref, on va pouvoir commencer. Ça fait quand même 6 minutes, mais au moins, je vous ai posé la situation. Des Allemands? Qu'est-ce qu'ils font ici? Alors, j'ai un problème avec les cheveux de Indiana Jones dans cette version-là. Avec le chapeau, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup, beaucoup trop bruns. Du coup. Non, ça c'est pour le bouquin. Je confonds toujours les deux. Excusez-moi. Voilà. Option de jeu. Je peux pas régler la luminosité. Ok. Donc, déjà pour commencer, on va récupérer le premier artefact. Et je vous précise qu'il n'y en a que 3 au Soudan. Et 2 défis. Donc le gameplay, comment dire, le gameplay est un différent que la version PS2 évidemment avec la Wii, donc qui est devenu quelque chose d'un peu plus qui rajoute un peu de complexité. Mais il faut savoir qu'à la base le jeu devait sortir aussi devait sortir sur PS3 et 360. Comme pour Star Wars et Pouvoir de la Force, hein, au final, c'était à peu près dans la même idée. Mais le Pouvoir de la Force a plus ou moins bien marché. Moi, il a bien marché, puisqu'il y a eu un 2, mais je crois que c'était les critiques qui étaient mitigées, je crois. Je sais plus. Donc voilà, mais Indiana Jones, lui, ça a été au final abandonné. Ça a été exclusivement sur les vieilles consoles, donc PSP, DS, ou non. PSP, 3DS, PS2 et Wii. Voilà. Mais bon, je vais galérer dans les phases de combat, je vous préviens. Mais en tout cas, le jeu utilise quand même bien les idées là. De base, Indiana Jones,
Donc le personnage avec son fouet, tout ça du coup, donc c'est plutôt intéressant. J'espère que l'enregistrement n'est pas trop sombre. C'est mieux. Voilà. Non, le deuxième trésor est un peu plus loin normalement. Oui, il est plus loin. Hop. Je shoot dans mon casque. Ça, c'est un problème. Enfin, dans le câble de mon casque. Du coup, je suis par là. Donc, ici, on récupère hop, le deuxième artefact. Le dernier est nettement plus loin. Il faut le feu. Génial. Très bonne idée. Donc en termes de gameplay, la version Wii est je trouve beaucoup plus intéressante. Même s'il y a quelques problèmes, mais vous verrez ça. Voilà, cette animation que je trouve absolument dégueulasse, donc voilà. Mais... Il faut savoir que c'est, je crois, Panama qui ont fait une animation spéciale pour. Voilà, mais seulement Panama en fait. Si je me gourre pas. Donc je trouve ça un peu cool. Allez, tout ça. Le jeu sera pas spécialement long. Je préfère vous le préciser. Voilà ce qui nous intéresse. Une tête de bélier. Des artefacts, excusez-moi. Ça va qu'on va déjà récupérer deux. T'en profiter. Un personnage, il y en a trois à débloquer, mais ça c'est normal. Hop, fortune. Donc, buste nubien. Ce buste nubien date d'environ 1300 avant Jésus-Christ. Belle pièce. Marcus devrait en donner une fortune. Donc, Marcus, c'est un personnage qui apparaît dans les films. C'est un professeur aussi d'archéologie, du coup. Mais il a, je crois que c'est dans le 3 qui mène une aventure. Bon, il est sur le terrain, mais c'est pas vraiment un aventurier à l'origine. C'est un professeur, du coup, qui apparaît dans les films. Du coup, donc voilà. Donc la référence est aussi faite à Marcus dans...
le mode coopératif, puisque c'est un ami du père de l'Indiana Jones, donc Henry Jones. Et il y a une référence dans le quatrième film de Marcus, du coup. Voilà. Hop. Je suis remonté trop loin. Donc voilà, donc le deuxième artefact, c'était tablette en calcaire. Cette tablette en calcaire représente un archer nubien. Un archer nubien du nom de Nénu. Si je déchiffre correctement l'inscription, elle a près de 4000 ans. Ok. Donc voilà. Sur PSG aussi, hein, vous pouvez lire ça du coup. Toujours sympa, hein. Moi j'aime bien, en général. Donc, rappelons qu'Indiana Jones a depuis incité beaucoup d'aventuriers, comme Nathan Drake, hein, qui est un peu son successeur spirituel. Il y a eu Lara Croft aussi, du coup, hein, qui est un peu la concurrente de Nathan Drake en termes de jeux vidéo, mais aussi qui a pu aussi inciter à la création de. Merde, comment ça s'appelle ? Non, c'est Lara Croft qui a incité à la création de la série Sydney Fox. Mais Indiana Jones est lui-même issu de deux personnages de films, de séries, de vieux films de séries, enfin, dont j'ai oublié le nom, d'aventuriers dans le même genre. Du chapeau. Ça, c'est un classique d'Indiana Jones en même temps. Es ist ein Fehler. Ich kann es klar beten. Allez-y, Dr. Jones. Expliquez-vous. Magnus Fall. Je vois que vous avez déjà trouvé ce que nous cherchions. Merci. Vous nous épargnez beaucoup de travail. Qu'est-ce qu'il y a, Magnus? Vous ne pouvez pas faire de fouilles sans vos babysitters? La pluie de vos injures, comme disent les Américains. Le professeur Kingston avait raison à votre sujet. Je suis content qu'il ne soit pas là pour le voir. L'idole, Jones. Comment sont ses réflexes? Ramenez-le. Qui eût cru que l'archéologie était un métier aussi dur? En effet. Parfois, la seule façon de se tirer d'affaire, c'est de recourir au point. Je vais vous montrer. D'abord, le direct du droit. C'est un coup léger, mais rapide. Le premier coup est parfois le plus important. Pour réussir un direct du droit, déplacez rapidement la Wii Remote vers l'avant. Bien. Et maintenant, voyons avec le gauche. Déplacez rapidement le Nunchuk vers l'avant. C'est bon. Et maintenant, essayons un truc un peu plus costaud, le crochet. C'est plus lent que le direct, mais aussi plus puissant. Pour réussir un crochet du droit, déplacez rapidement la Wii Remote de la droite vers la gauche. Pas mal. C'est pareil pour le crochet du gauche. Cette fois, déplacez rapidement le Nunchuk de la gauche vers la droite. Bien. Le coup le plus puissant, c'est l'uppercut. C'est un coup assez lent, mais très efficace quand il atteint son but. Pour réaliser un uppercut du droit, déplacez rapidement la Wii Remote vers le haut. Un vrai pro. Et maintenant le gauche. Déplacez rapidement le Nunchuk vers le haut pour réaliser un uppercut. La bonne nouvelle, c'est que vous semblez avoir un sacré coup de poing. La mauvaise,
c'est que certains de vos adversaires peuvent les bloquer ou les esquiver. Pas de souci. Quand ça arrive, essayez une autre attaque ou un coup de poing différent. Voici quelqu'un d'obligeant. Essayez donc les coups de poing que vous venez d'apprendre. Et voilà. Donc, on va récupérer le troisième et dernier artefact qui se trouve juste là. Et il s'agit de... Tête de bélier en or. En gros, c'est l'objet qu'on était censé récupérer. Cette tête de bélier en or devait être un genre d'amulette. Elle est en or pur et date sûrement d'environ 700 ans avant Jésus-Christ. Les coups sont parfaits, mais si vous êtes loyal au combat, vous allez perdre. Quand les choses se corsent, regardez autour de vous. Vous n'imaginez pas tout ce qui peut servir comme arme. Par exemple, vous voyez la petite cabane à ma gauche? L'icône au-dessus veut dire que je peux utiliser mon fouet dessus. Essayez pour voir. Bravo! Vous voyez l'icône de l'appel devant moi? Ça veut dire que je peux m'en servir. Dans ce cas, je peux la prendre. Appuyez sur A. Et maintenant, si vous appuyez de nouveau sur A, je laisserai tomber l'objet que j'ai en main. Mais avant de faire ça, on va s'en servir un peu. Vous pouvez frapper quelqu'un près de vous avec un objet en déplaçant rapidement la Wii Remote de droite à gauche. Ça devrait les réveiller. Vous pouvez également lancer un objet sur un ennemi s'il est hors de portée. Pour ceci, appuyez sur A, tout en déplaçant la Wii Remote rapidement vers le bas. Pas mal du tout. Si vous êtes pressé par le temps, vous pouvez lancer un objet qui traîne par terre. Pour exécuter un de ces lancers rapides, approchez-vous de l'objet et appuyez sur A, tout en déplaçant la Wii Remote rapidement vers le bas. Et voilà. Examinez toujours soigneusement les environs avant de vous lancer dans une bataille. Ça vaut le coup. Certains ennemis sauront esquiver des objets que vous leur lancerez. Mais aucun ne pourra éviter un gros objet, comme cette cabane ou des étagères, si vous leur balancez sur la tête. C'est ça. Donc c'est très pratique. La meilleure façon de gagner un combat est de ne jamais se faire frapper. Vous allez croiser de sacrés malabars. Tâchez d'éviter leurs points. Si vous arrivez à esquiver un coup, votre attaquant pourrait perdre l'équilibre. Et c'est à ce moment-là qu'il faut contre-attaquer. Pour esquiver, appuyez sur A et B en même temps. Pour esquiver, il faut être prêt. Tout ennemi a son geste bien à lui qui vous signale qu'il est prêt à vous frapper. Surveillez ce geste. N'oubliez pas, contre certains ennemis, vous n'avez pas d'autre choix que l'esquive et la contre-attaque. Un jour, j'ai combattu un type comme ça près d'un avion. La première fois que je me suis servi du fouet, ça n'a pas trop bien marché. Par chance, je suis là pour vous enseigner tout ce que j'ai appris depuis. Le fouet peut s'avérer votre meilleur ami lors d'un combat. En dehors du fait qu'il vous permet de balancer des objets sur la tête des méchants, vous pouvez vous en servir pour rapprocher des ennemis vers vous et les désarmer. Tirons un peu ce soldat par le cou. Appuyez sur B tout en déplaçant rapidement la Wii Remote vers le haut. Oula! Il faut le faire rapidement pour éviter qu'il ne s'échappe. Comme ça. Pour entraîner un ennemi, fouettez-le d'abord. Puis ramenez rapidement vers vous la Wii Remote. Je peux également attraper quelqu'un par la taille. Pour y arriver, appuyez sur B, tout en bougeant rapidement la Wii Remote de droite à gauche.
N'oubliez pas que certains ennemis se libéreront plus rapidement que d'autres. Attrapez de nouveau celui-là par la taille et tirez-le vers vous. Bien. Et maintenant, le fouet n'a pas pour seule fonction de tirer des méchants vers vous. Il peut également vous aider à désarmer des ennemis. Pour désarmer un ennemi, appuyez sur B et déplacez rapidement la Wii Remote dans n'importe quelle direction. Vous pouvez aussi attraper un ennemi par les pieds. Appuyez sur B tout en déplaçant la Wii Remote vers le bas. Belle prise! Ramenons-le! Tirez rapidement la Wii Remote vers vous. Quand vous avez réussi à faire tomber un vilain, vous pouvez lui balancer quelques coups de poing avant qu'il ne se remette sur pied. Il vaudrait mieux s'occuper de celui-là avant qu'il ne fasse des histoires. Voilà. Bon, ça c'est fait. Donc je me tais, hein, parce que comme ça vous profitez pleinement de la voix de française de Indiana Jones. Encore un truc qu'il faut que je vous montre, le grappin. Ça ne marche pas à tous les coups, mais quand ça marche, ça marche. Un ennemi affaibli et quelqu'un qui est un peu sonné sont des cibles parfaites. Certains arriveront à se détacher, alors il faut agir vite. Pour saisir avec le grappin, il suffit d'appuyer sur Z. Lorsque vous avez mis le grappin sur quelqu'un, vous pouvez lui balancer un coup de poing. Juste, non, efficace, oui. Ou vous pouvez les lancer contre des objets, ou d'autres ennemis, pour les endommager ou les sonner. Pour les pousser, avancez rapidement la Wii Remote et le Nunchuk vers l'avant, et en même temps. Vous pouvez envoyer valser vos ennemis dans des meubles, des statues, des aquariums, ce que vous voulez. Mettez le grappin sur quelqu'un, puis cherchez un icône pour trouver un endroit qui leur fera retrouver leur esprit. Comme ce bureau, par exemple. Appuyez sur Z pour lui mettre le grappin dessus. Amenez-le à l'icône, puis appuyez sur A. Bien. Il faut croire que vous arrivez à vous débrouiller. Et maintenant, entraînez-vous un peu avec ces soldats allemands. N'oubliez pas, examinez bien la pièce avant de commencer à vous battre. Et n'arrêtez pas de vous déplacer. Donc avant de commencer, pour vous dire, c'est ici qu'on fait le premier défi. Donc, qui consiste à faire tomber une étagère sur trois ennemis en même temps. Allez, tout le monde se réunit, s'il vous plaît. Petite réunion de famille, ça m'arrangerait. Yes! Donc ça c'est fait. Ça marche pas. Voilà, problème réglé.
Donc, cette fois-ci, on va s'attaquer au quatrième défi, donc par la même occasion à la fin de cette vidéo. Donc, le défi consiste à abattre 4 avions. Je dis bien 4. Donc, croyez-moi que c'est pas si simple qu'on le pense. Et le 2. Et 4, voilà. Vous pouvez voir que le petit livre est apparu. Donc c'est bon, c'est fini. Donc moi je vais vous laisser en espérant que cette vidéo vous aura plu. Bah je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, Kenavo.